22h hier soir, la grande plage de Biarritz s'est évacuée. Une quinzaine de policiers étaient présents pour faire respecter ce nouvel arrêté municipal. C'est une première, toutes les plages de Biarritz seront désormais fermées la nuit tout l'été pour éviter les regroupements festifs et limiter la transmission de coronavirus. On est un petit peu dégoûté que la plage elle ferme à 22h du coup, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et ouais voilà, parce qu'il y a tout qui est fermé, donc on était venu ici pour faire la fête, mais c'est raté. On va essayer de trouver un bar et après on va voir, et puis sinon bah dodo. Voilà. Depuis le début de l'été, se retrouver le soir sur la plage est devenu un rituel pour beaucoup de jeunes, les boîtes de nuit étant fermées cette année. Je pense que vraiment c'est n'importe quoi, et que la plage devrait être un espace public, ouvert à tous, toute la nuit, vraiment. Et que je pense que c'est le seul endroit de liberté qu'on peut encore avoir. Quand on voit le monde qu'il y a sur la plage l'après-midi, du coup on se dit... c'est un peu bizarre de se dire qu'une fois que tout le monde a quitté la plage dans la journée, que le soir on n'est pas le droit un peu de profiter. Il n'y a rien à faire la nuit. Si nous ne pouvons pas aller à la plage, nous ne savons pas où nous irons. Ces groupes pourraient dorénavant se réunir ailleurs en ville. Malgré tout, la mesure était indispensable selon la municipalité, qui a compté jusqu'à 1500 personnes sur la grande plage la nuit, avec un trop grand risque sanitaire. Ces jeunes augmentent le risque de contamination non seulement entre eux, mais surtout ensuite au niveau de leur famille. Et de toute façon, il sera peut-être plus facile de les surveiller dans la rue en petits groupes plutôt que sur cette masse de 1500 personnes agglutinées dans une ambiance plutôt nocturne. Les images de vidéosurveillance seront contrôlées toutes les nuits et des policiers seront mobilisés jusqu'à fin août pour faire respecter cette fermeture nocturne.